Je voudrais sincèrement souhaiter la bienvenue à Julie Snyder et aux 14 artistes de Star Academy qui sont avec nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Je connais déjà un petit peu. Ah. Ben oui, parce que j'ai vu la première émission. Moi, je suis mon mari. Je le vois pas souvent, alors je le regarde à la télé. Puis c'est sûr, j'ai un petit penchant pour toi, à quelque part, parce que c'est un petit peu comme notre René Charles, comme René disait. Merci d'avoir parlé à René Charles, parce que c'est quelque chose qui fatigue les gens dans notre entourage. Ça les fatigue beaucoup. Des fois, j'ai le goût de leur dire... Écoutez, on est des parents intelligents. On sait bien que notre enfant a les cheveux longs. Puis c'est pas comme si c'était moi qui voulais que mon fils ait les cheveux longs. C'est lui qui les aime. Et puis, nous, on l'aime et on respecte son choix. Mais mis à part les cheveux, il y a des choses importantes. Premièrement, est-ce que vous connaissez votre instrument? Avez-vous déjà vu vos cordes vocales? Ça prendra un ORL. Alors, un ORL, c'est un otorhinolaryngologiste. C'est un spécialiste en... Oreilles, nez et gorge. Dans quel environnement couchez-vous? Est-ce que vous avez des humidificateurs dans votre chambre? J'ai vu le sauna. Oui. Je veux pas défaire vos plans, là, mais c'est à ne pas faire. C'est pas bon parce que c'est une humidité qui est sec. Je suis désolée, même si votre chambre est bien ben belle, là, aucun tapis dans les chambres. Oh mon Dieu, il y a ça à l'air. C'est toute la maison. Tout est en tapis. Je m'excuse. Pas de tapis dans les chambres? Pas de tapis dans les chambres, déshumidificateur, pas de sauna. Je pense qu'on va annuler la saison. Oh, mais je pense qu'on va aller se coucher. Je pense qu'on va annuler la saison, Céline. Hey, amusez-vous. Bonne chance. Merci. On vous admire. Bonne continuation. Je suis désolée. Votez pour moi, s'il vous plaît. 800, Julie. Si jamais c'est des humidificateurs à air chaud, il faut changer les filtres souvent parce que c'est des porteurs de bactéries. Si c'est des humidificateurs à air froid, c'est plus facile d'entretien. Bye!